Ah, et peut-être qu'après on ira faire un tour à Nunsong. Nous sommes toujours seulement alliés, nous sommes jumeaux. Donc après, dans les quêtes, nous avons donc chasseur et frère, on n'arrivera pas à la faire, à moins que ça soit débloqué. On a toujours celle-ci. Oui, on pourra faire Noonfrost. Et on pourra, oui, il faudra aussi qu'on commence à explorer les chemins infinis qui sont sous notre donjon. Ça serait pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Histoire qu'on prenne de l'XP et qu'on avance un peu cette quête. Good day to you. Voilà, soignons tout le monde, on en a bien besoin. Et on va on va aller tenter le fameux Noonfrost, on va retenter ce donjon, voir si cette fois on s'en sort. Si on va encore voir notre équipe se faire lavementer par des trash mobs. On peut toujours faire un petit tour par là. On peut aller voir vite fait. Ça m'étonnerait que la quête se débloque. Ouais, toujours rien, toujours rien. Allons-y, tous en cœur, joyeusement.
On y croit, hein, on y croit. A blade in the dark. Alors, évidemment, c'était par là où ça commençait, où commençait à y avoir quelques petites embrouilles bien finies. Voilà, par exemple, ce petit groupe de 5 de 5 ennemis. Est-ce que pour une fois ça va pas trop chier dans la colle? Et voilà, et tout le monde qui se fait contrôler. Voilà, Charlize a mouru. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Commissaire Enrico qui est toujours confus, donc voilà, c'est parfait. Ça c'est vraiment très bien. Ça c'est vraiment très très bien. Ta mère qui est en train de se faire démonter par trois mobs. Voilà. Donc là, on a déjà nos trois morts ici, hein, parfait. Voilà. Voilà, donc ça c'est le mode normal. Hein. Trash mob, un sort et on a 4 de nos héros qui sont déjà crevés. Voilà. C'est vraiment très très bien. Hein. Du trash, donc ce donjon, je comprends pas. Je comprends pas ce donjon. Je sais pas pourquoi. Got it. Keeping an eye out. Keeping an eye out. Well? Yeah? Alors on va essayer de faire un goulot d'étranglement ici. Le problème, c'est que dès qu'on va arriver, ils vont nous faire un petit sort de contrôle de... Voilà, donc là on va reculer bien vite. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi la vie que tout le monde perd. Non mais sérieusement quoi. Ah, me dites pas que c'est trop facile. Mais voilà, on roule sur absolument sur beaucoup de combats dans cette zone et là un combat contre 4 ennemis de base. Alors il paraît, ici, il faut que je regarde un truc, il faut que je regarde dans les sorts du prêtre.
Faut que je me retrouve dans les sorts du prêtre. Ah voilà, c'est sa prière contre la confusion. Donc c'est ça qu'il va falloir que je fasse. J'ai tenté de faire ça en premier ressort, dès le début de la bataille. Well, a blade in the dark. Et on va voir si d'une manière ou d'une autre ça modifie quelque chose. No problem. Et j'espère que ça va contrer les sorts de contrôle, ça m'arrangerait quand même. Huh? What is it? Yeah? Yes. Well. En plus, regardez-moi la petite zone que ça fait. Mettre un buff. On va essayer de... Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ce que Skugly a pris dans la tronche. Mais regarde-moi ces sorts de masse. N'a même pas réussi à contrôler la prêtresse, alors que d'habitude il y a zéro souci pour le faire. Essayer un contrôle, mais bien sûr le palouf. Ok, on a buté le sorcier. Ça, je crois que c'est plutôt pas mal. Est-ce que Gly est décédé? Parce que je sais pas pourquoi. Elle est derrière et pourtant elle se prend plein masse de dégâts. Bon, heureusement. Ah oui, mais non, il faut peut-être qu'on sauve. Balise illuminée va se terminer. On va le relancer, on va refaire un sort de soin. Anna.
Ok. Ça c'est fait. Oh, si, on va les avoir, on va les avoir. Oh, mais regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Et Mizu qui crève, et Monsieur Zou qui crève, on ne sait pas pourquoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, la vie qui descend. Et là on va gagner le combat juste parce que on va. Et Charlize Theron qui a, à la fin de ce combat, elle va avoir 19 points de santé. Hein. C'est-à-dire que là, à la fin du combat, on va être obligé de retourner faire reposer l'équipe parce qu'ils ont plus de vie. Et ça, le paladin récupère sa vie. Il n'arrive même pas à lui faire suffisamment de points de dégâts. C'est ridicule. Grand Dieu de bonsoir. Eh ben, alors regardez-moi l'état de l'équipe après un combat, un seul combat. Hallucinant. Greetings. Allez, allons finir ce foutu donjon une bonne fois pour toutes. On n'en parle plus, on va libérer l'elfe qui a été prise en. Qui s'est fait capturer et après on pourra se barrer bien gentiment.
Oui, mais non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, on peut sortir ici, ça ira beaucoup plus vite. Ah, les temps de chargement. Voilà, merci. Du coup, retournons à Noonfrost par ce charmant temps ensoleillé. Et hola Guigrine, bonjour à toi, bienvenue, hello. Comment vas-tu? Guigrine ou Guigrine? Green. Bon, on va repasser en fufu parce que ça serait con de se faire repérer, mais là théoriquement, il n'y a plus qu'une petite elfette. Voilà, la prêtresse elfe. On va coincer ici. Voilà. Et là, par contre, là, on va lui défoncer sa mouille. C'est-à-dire que une contre 6. Là, elle fait quand même moins la maligne. Est-ce qu'on a encore... Bah oui. Déverrouillons cette porte. Ah oui, c'est vrai que là, il y a encore du monde. Déverrouille cette porte. L'ouvrir. Bonjour les gens. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui. Elle a cassé ta gueule. Ah, attendez. What the? Ah, vite, monsieur Zou, vite, petit contrôle de l'esprit. Non mais je t'en prie, contrôle-le, contrôle-le. Ah, voilà, parfait. Voilà, et là, par contre, il va falloir faire gaffe parce que lui, dans pas longtemps, voilà, dans pas longtemps, il va reprendre ses esprits. Et là, il s'est... Il n'y a plus qu'à lui casser la gueule. Ah oui, on a bien avancé, oui. Ah ouais, les premières ombres, d'accord. Dans la première ville. Ah, je vois, oui, là, la partie est très avancée, on est quasiment à la fin du jeu. Et paf, le petit paladin elfe. Voilà, magnifique. Et on n'a plus qu'à les libérer. À qui êtes-vous? Parlez-moi des gens que vous étiez arrivés quand nous faisons récemment, prétendant. Il faut absolument les arrêter. Pouvez-vous me parler de la brèche taillée dans le givre? Pas vraiment. J'ai quand même capturé. Allez-y, fuyez. Voilà, parfait.
Maintenant que nous avons libéré l'intégralité du donjon, on peut se barrer. Et nous allons retourner auprès de Lara dans la gueule. Ce qui va nous faire une quête de plus réalisée. Ah, alors, je renais. Passez à la gueule de ces jours, les autres fonks seront ravis de rencontrer l'estramor qui m'a libéré. Oui, voilà, mais j'y allais en même temps. Et si je ne dis pas de bêtises, elle se trouve ici. Lara, voilà, j'ai trouvé Aloy. Vous l'avez vu de propres yeux, j'ai libéré de Nunfrost. Elle profite un peu de sa liberté avant de revenir. Vous nous avez rendu un grand service. Je me suis trompé à votre sujet, vous êtes quelqu'un de bien. Veuillez accepter un présent digne de ce que vous avez accompli. Comment allez-vous? Très bien, grâce à vous. Ça m'oblige à gagner ma vie. Vous passez beaucoup de temps enfermé dans cette cellule glaciale, n'est-ce pas? Vos membres ont besoin d'exercice. Enseignez-moi ce que vous savez. Builder's wisdom to you. Oui, voilà, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, du coup? Nous avons gagné les écailles de corbeau. Unique armure intermédiaire, réduction des dégâts à 9, vitesse de récupération moins 35%, réduction des dégâts à plus 2 de furtivité de perception. Ça pourrait aller parfaitement à ce que Glee, quoique elle c'est une armure légère, alors peut-être plus. Unique armure intermédiaire. En plus, ça protège du gel 11, de furtivité plus 2 de perception. On va voir quand même. Plus 1 de perception, doigt d'araignée plus 1 de perception. Là, le plus 2 de furtivité. Ouais, c'est dommage parce que la capuche, du coup, ne sert plus à grand chose. C'est dommage, du coup on va peut-être remettre celle-ci, on va la garder en... au cas où, on va la garder au cas où. Et enfin, encore une quête rondement menée, ce qui va nous laisser ensuite, concrètement, quelques menus quêtes.
Thank you, Gui Green. Thank you very much, and see you soon. Thank you for passing by. Ah, okay. Where do you come from? Just so we know. Voilà, Charlize peut prendre un niveau. Et je pense qu'on n'aura pas la réponse à la question. C'est pas grave. Ah, parchemin de niveau 6. C'est très très bien. Et c'est tout. Déverrouillage de classe. Faveur du champion. Quand une faveur divine un allié. Sa puissance, sa perception et toutes ses valeurs de réduction de dégâts, pilier de feu sacré, qui embrasse tous les personnages présents dans la zone des fées, prière contre l'emprisonnement, des attaques basées sur la paralysie et la pétrification, restauration d'endurance critique, ranimation. Ah, parfait, on va pouvoir res nos héros tombés au combat. Implore les dieux d'accorder plus d'un, ce qui prolonge tous les effets bénéfiques sur les alliés présents dans la zone d'effet. Ça va être un puissant bouclier sacré qui confère un bonus de déviation à tous les alliés présents dans la zone d'effet. Sort de niveau 1 peuvent maintenant être utilisés par affrontement. Ah ben voilà, ah ben c'est magnifique. Ah ben ça, ça fait plaisir. C'est-à-dire que maintenant, donc au niveau 9, le prêtre... Au niveau 9, le prêtre peut donc utiliser tous ses sorts de niveau 1, non plus par repos, mais par combat. Alors au niveau 1, je sais plus trop ce qu'il y a comme sort. Peut-être que le niveau 2... à un moment ou un autre sera utilisable tout le temps, ce qui vous permettrait d'avoir à chaque combat de pouvoir envoyer les sorts de soins de zone qui sont absolument intestables et très utiles. Là par exemple, si on prend, donc elle a gagné le niveau 5 et le niveau 1, donc on en a 4, on peut donc utiliser l'armure de la foi. Elle croit à la valeur de réduction des dégâts des alliés présents dans la zone d'effet. Punit ici pour les péchés qu'elle a commis, résistance à la déviation, son courage, ses réflexes, sa volonté. Renforce la précision des alliés. Inflige une pénalité de précision à tous les ennemis présents dans la zone d'effet. Ordonne à l'ennemi de s'arrêter, ce qui l'empêche momentanément d'effectuer le moindre déplacement. Accroissement des bonus de concentration de volonté. Neutralise toutes les peurs extérieures des alliés. Contrer des attaques basées sur la peur et la terreur. Et le dernier, retrait. Isole une cible au sein d'une sphère de protection qui régénère sa résistance. Ah, invisible pour 29 secondes. Oh, ça c'est bien ça. On verra dès qu'on aura un combat. En attendant, on va repasser par... Où était-ce ? Voilà, on va aller dire ici... On va aller recoser avec les fangs. Là, on va voir si par hasard, ils ne voudraient pas laisser partir nos amis. Tread carefully, Estramor. Ouais, et Orme jumeau, toujours pas, bon ben. Je vais.
vais voir ce que je peux faire, voilà. Et donc, comme les Stalgar au nord sont morts, on va tout simplement dire... Voilà, et donc... ils vont partir par le nord et les Fang l'auront dans le baba. Ah oui, mais non, mais oh. Ah oui, non, mais vous savez que vous avez le droit d'attaquer, là. De proie, ça c'est éventuellement pour un de nos héros. Utilisable uniquement par rôdeur, portée rapide, vitesse rapide, de perception, précision. Ma foi. Sure. Et alors où était Queenette? Par là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, elle est ici. Vous avez réussi, nous chanterons vos louanges et notre retour à la faveur. Je vous promets que tout le monde saura ce que vous avez fait pour nous. Mais vous n'êtes pas du genre à vous contenter de quelques éloges. Vous voulez de l'argent, des armes, ou bien si vous n'avez rien de tangible nous intéresse, je peux vous transmettre quelques-unes de mes techniques. Tiens donc. J'aimerais m'entraîner avec vous. Qu'est-ce que ça donne? Placez tout votre poids sur le dernier pas quand vous êtes prêt à frapper. Suivez son âge, je crois que vous avez compris. Je suis honoré de vous avoir appris un nouveau déplacement. Oui. Aventure majeure ajoutée. Oh, c'est magnifique. «
c'est Jean-Claude qui va y aller encore une fois. Donc on a appris visiblement un nouveau... quelque chose de nouveau. Et je ne vois pas quoi. Yes. Well, what is it? Yeah. Ma foi. Toujours est-il qu'on a encore gagné moult XP, que ça c'est bien. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. On a bien avancé, je pense que lors de la prochaine partie, on va peut-être s'occuper des chemins infinis dans notre donjon, mais sinon, peut-être tout simplement aller affronter Tao. C'est, je pense qu'on va être vraiment très proche de la fin du jeu, fin de l'histoire en tout cas, donc on va voir comment on se débrouille. Petite sauvegarde. Parfait. Retour au menu principal. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Demain après-midi, normalement, Oli va streamer. Je ne sais pas s'il est toujours sur le chat, mais peut-être pourra-t-il vous confirmer. En tout cas, nous, on se retrouvera soit en fin d'après-midi, soit demain soir pour je ne sais pas quoi, du Pillars ou autre chose. En attendant, bonne nuit à tous. Merci d'avoir suivi. Des bisous et à demain. Ciao.